Alors, ma passion de l'écriture vient de ma passion de lecture déjà, parce que je proviens d'une famille où les gens aimaient beaucoup lire. Ma mère adore lire. Ma grand-mère maternelle lisait déjà beaucoup. Quand elle nous offrait des livres, elle les lisait avant. Et mon père aussi, il aime beaucoup lire des livres d'actualité, de politique. Donc ça vient de là, déjà cette envie de lire et ensuite après d'entrer dans ce monde imaginaire et d'écrire. Alors j'ai écrit ce livre durant le confinement. Comme beaucoup de gens, je m'ennuyais un peu. Et j'avais l'habitude d'écrire, mais là je me suis dit je vais me lancer vraiment, faire quelque chose de spécifique aux enfants. Et pourquoi pas les contes et légendes, mélanger un petit peu tous les contes et légendes des Outre-mer et en faire une histoire, une aventure un peu plus moderne. Oui, le confinement a eu vraiment un bel impact sur moi et du coup j'en ai profité pour créer mon livre. Il est pour les enfants mais aussi pour les grands-enfants. Je pense que vous vous souvenez des contes et légendes que nos grands-parents nous racontaient, la Diablesse, le Baclou, etc. Et donc les grands-enfants pourront très bien se reconnaître dans ce livre, donc je les invite aussi à l'acheter. Alors, nous sommes vraiment la fusion de deux mondes, l'ancien monde et l'Europe, l'Afrique et le nouveau monde, l'Amérique. Donc on est la descendance de cette fusion, on a un melting pot, un métissage énorme et j'ai voulu à travers mon livre retranscrire ça. Donc il y a tous les Outre-mer dedans et vous verrez même les personnages principaux, ils sont tous différents avec des origines un peu différentes. Donc c'est le reflet de notre vie. Mon livre, Les mystères de Karuka Era, est disponible sur le site The Book Edition dans la rubrique jeunesse. Donc ça va être pour les personnes vivant en métropole. Et pour les personnes des Outre-mer, il faudra appeler au 06 90 14 97 56. Je vous invite tous à le commander, à faire circuler l'information, les écoles, les enfants, les grands-parents, les tontons, les tatis, tout le monde. Et voilà, ça va vous faire rêver et voyager.